Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va? D'accord. Petite réconciliation, vous. On a une situation, vous voyez, ici pour certains où on a une personne qui va te laisser le choix. Si tu veux qu'on se rapproche, on peut se rapprocher. Si au contraire tu préfères tourner le dos, ben on s'arrête là. On a ici une personne qui ne veut pas te brusquer. Une personne qui ne veut pas te faire fuir. On a une personne éventuellement qui s'attend à ce que tu lui dises oui, c'est ce que j'attendais, viens, on fait un bout de chemin. Comme une personne qui te laisse faire le choix, qui te laisse prendre la décision parce qu'elle n'est pas forcément en mesure de sortir les choses comme elles sont. Donc, je te dis, hein, tu vois, comme ça. Comme ça, c'est toi qui décides. Ça me permet de voir éventuellement si toi, tu en as envie. Si toi, éventuellement, tu es sur la même longueur d'onde que moi, j'ai réellement cette impression ici que c'est une personne que vous avez déjà stoppée, hein, pour certains. Vous l'avez stoppée. Ouais. Vous avez refusé éventuellement, vous voyez, comme de poursuivre votre relation ou tout simplement de passer à une étape supérieure avec elle. Je crois qu'elle est restée bloquée dessus, hein. C'est pourquoi ce nom, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi tu me sors un nom. J'ai un peu du mal à comprendre éventuellement pourquoi tu veux pas t'engager, pourquoi tu veux pas qu'on passe du temps ensemble. Elle comprend pas. Ouais, c'est réellement ça. On a vraiment cette impression ici que c'est une personne qui... C'est une personne qui n'a pas forcément été au fond des choses. Pour moi, c'est beaucoup une personne qui n'a pas su... elle n'a pas su faire avec vous. Une personne qui vous a un peu... Elle a un peu fonctionné avec toi comme elle fonctionnait avec tout le monde. Elle a fonctionné avec toi comme elle fonctionnait éventuellement avec son ex. Elle n'a pas forcément vu que personne différente, peut-être caractère différent, attente différente. Tu sais, c'est comme une personne qui est restée dans une espèce de comparaison. Alors, avant, c'était comme ça. Toi, tu fonctionnes comme ça. Tu sais, c'était sa façon d'avancer. Si on a des béliers, des taureaux et des gémeaux, et on a l'impression que c'est une personne qui était... Je suis sûre de ma technique, tu vois. Je suis sûre de ma technique parce que ça a toujours fonctionné ou ça... Ouais, ça a toujours avancé comme ça ou j'ai toujours eu, hein, obtenu même ce que je désirais... en avançant comme ça, et c'est une personne qui réalise que non, pas du tout. C'est réellement ça. Ouais. On a réellement une situation, vous voyez, où... En fait, le truc, c'est... C'est vrai. On va pas mentir. J'ai été beaucoup, tu vois, dans tout ce qui était... On a l'impression que c'était une personne arc-en-ciel, tu vois. C'est une personne qui passe et qui disparaît. C'est une personne, je suis là et puis je suis plus là. Et puis je veux et puis finalement je veux plus. On a l'impression qu'elle a été tout le temps dans cette dynamique-là. Et aujourd'hui, on a vraiment une situation où c'est quelqu'un qui réalise que tu es vraiment en train de continuer ton chemin. Donc ça veut dire que tu vas tourner vers une autre personne. Pour certains, c'est quelqu'un qui sait... Vous êtes déjà en train peut-être même de flirter, hein, ou de vous projeter vers une nouvelle personne. Et ça, c'est un truc qui... Attends, mais c'est difficile à avaler, quoi. Ouais, c'est difficile à avaler. C'est difficile pour moi, tu sais, tout simplement de me dire que ce que tu m'as apporté à moi, ou plus que tu as essayé de m'apporter, parce qu'on a quelqu'un qui a... Elle était comme ça, cette personne, tu sais, comme à tout rejeter en bloc. C'est difficile pour moi de me dire que... Mais même si on n'a pas passé énormément de moments, même si on n'a pas, on va dire, comme réussi à faire avancer cette situation sur quelque chose de stable, que tout ça, là, tu vas le donner à une autre personne. C'est-à-dire ton temps,
Ça veut dire que tu vas passer du temps avec elle, ça veut dire que tu vas éventuellement pouvoir, on va dire, comme partager, hein, avec une autre personne. Ça, c'est un truc qui... Attends, non. Je suis pas forcément en accord avec la décision. Ouais, on a une personne qui te le dira elle-même. D'accord? C'est une personne qui va te dire, mais moi je voulais une pause, je voulais éventuellement que ça avance un peu moins vite. J'ai pas dit que je voulais que ça se termine. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément capté jusqu'à maintenant que c'est pas la pause ou le break le problème, c'est la répétition de pause et de break. Hein? Et là, on a quelqu'un qui va, c'est une personne qui va te sortir le grand jeu. C'est une personne qui va tenter le tout pour le tout, mais c'est trop difficile pour moi, tu sais, comme de t'imaginer partir vers quelqu'un d'autre. Je peux pas. Je peux pas croire que tu peux trouver, on va dire entre guillemets, mieux que moi en fait, une personne qui pourra t'apporter plus de joie, plus de bonheur, limite une personne que tu pourras aimer plus que moi. Ah, j'ai une personne qui a du mal à avaler. Ah. Ah oui, elle a du mal à avaler cette personne. On a réellement une personne qui ne comprend pas éventuellement que... Mais écoute, qui va à la chasse perd sa place, hein? On dit ça comme ça, mais c'est ça. Je sais que j'ai pas su saisir l'opportunité. Je sais que tout simplement, éventuellement, que c'est mon comportement, hein, qui... te pousse aujourd'hui, on va dire, comme à fonctionner comme ça. C'est un peu de ma faute, éventuellement, si on se retrouve dans ce genre de situation, mais je crois que j'avais pas forcément conscience qu'on pouvait aimer, être attaché à une personne, mais quand même avoir envie de la quitter. On a l'impression que c'est seulement maintenant que cette personne, elle le comprend. Tu sais, je sais que tu m'aimes énormément, quoi. Des Capricornes, des Verseaux, des Poissons, des Balances, des Scorpions et des Sagittaires, j'ai... Je pensais éventuellement que ce que tu ressentais pour moi aurait été suffisant. Que ça t'aurait aidé, tu sais, comme à pardonner certaines de mes maladresses. Certains de mes comportements. On a quelqu'un qui s'est égaré quand même pas mal de fois. Hein. Mais on a quelqu'un, tu vois, qui... Je pensais pas que ça te faisait aussi mal, en fait. Je pensais que quand tu pardonnais ou... Quand tu me laissais à nouveau entrer dans ta vie, c'était vraiment parce que, voilà, tu m'aimes et puis que rien ne pourra nous séparer, mais c'est vrai, j'ai pas forcément pris en compte la douleur que tu pouvais toi-même ressentir. T'as fait des pieds et des mains pour que ça fonctionne. Et moi, je n'ai pas été en mesure de le voir, de le comprendre. Petite invitation. On a une personne qui... C'est vrai, je reconnais. Je reconnais que j'ai été dans l'abus plus d'une fois, mais je peux quand même pas accepter que tu... Non, je peux pas. C'est vrai, j'ai fauté et on a une personne qui espère tout simplement que tu lui pardonnes. C'est faute. C'est petite dérive. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle te fait une invitation, tu vois toi si tu as envie d'y aller. On fait ça. Tu vois si tu as envie d'y aller et tu vois si tu as envie à nouveau, tu sais, comme de lui ouvrir la porte. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je te dis à la prochaine.